Bonjour, j'espère que vous portez bien en cette période un peu difficile pour tous les élèves du monde. Je suis sûre que vous êtes en train de travailler si dur pour réussir votre baccalauréat, même si les conditions ne sont pas optimales. Mais sachez que nous sommes là avec vous pour vous soutenir et vous apporter l'aide dont vous avez besoin. Commençons. Aujourd'hui, on va essayer de traiter le chapitre 4 de votre programme qui s'intitule « La gestion commerciale ». Alors, en effet, ce sont les ventes qui assurent les recettes et qui permettent de poursuivre l'activité de l'entreprise. Pour survivre, les entreprises doivent donc vendre. Aussi est-il de toute première nécessité pour elles de connaître les marchés sur lesquels intervenir. Donc l'entreprise doit se poser les questions suivantes. Quelles catégories de consommateurs sont-elles concernées? Quels types de produits seront-ils échangés? Et de quels moyens dispose-t-elle pour orienter le marché? Donc, pour appréhender l'importance de la gestion commerciale, nous allons étudier les sections suivantes. En premier lieu, on va voir l'étude de marché. La deuxième section va porter sur la provocation des ventes. Et enfin, on va voir l'exécution et le suivi des ventes. Commençons d'abord par la première section qui porte sur l'étude de marché. D'abord, qu'est-ce qu'un marché? Un marché est l'ensemble d'acteurs agissant sur les ventes d'un produit ou d'un service. L'entreprise est amenée donc à étudier plusieurs facteurs, tels que les tendances actuelles, les fournisseurs, le nombre de concurrents, le volume des ventes et bien d'autres. L'étude de marché repose sur plusieurs objectifs. Donc, elle nous permet, bien sûr, premièrement, de connaître l'environnement, ensuite, de connaître les acheteurs, les prescripteurs et les consommateurs, ensuite, de connaître la concurrence et aussi de connaître les autres intervenants tels que la distribution. Alors, on va commencer par l'étude de l'environnement. Donc, c'est quoi l'environnement? L'environnement, c'est tout ce qui est situé en dehors de l'entreprise, tel que la nature du produit, la technologie, le climat politique et économique. Donc, ces éléments vont nous permettre de distinguer un environnement juridique qui va porter sur les lois et les réglementations en vigueur, telles que le taux de TVA, un environnement économique qui va porter sur, par exemple, l'évolution démographique, sexe, âge, densité, situation géographique, sur le taux d'inflation, par exemple, qui influence beaucoup le pouvoir d'achat, et sur le taux de chômage, entre autres. Donc, on peut aussi avoir un environnement technologique qui traite des nouvelles technologies du produit et les recherches en cours concernant le produit que l'entreprise compte commercialiser. Enfin, on peut aussi voir l'environnement socio-culturel qui, bien sûr, englobe les facteurs qui influencent notre vie commune, tels que la religion, tels que les valeurs communes, tels que le syndicat aussi. Donc, on va passer par la suite au deuxième élément qui porte sur l'étude du comportement du consommateur. Donc, le comportement du consommateur intéresse beaucoup l'entreprise, surtout pour fixer sa stratégie, telle que la politique de communication, la politique de distribution, la nature du produit qu'elle doit commercialiser. Donc, ça va lui permettre de déterminer qui sont-ils, qui sont ses consommateurs, où sont-ils, quel est leur nombre, leur motivation, leurs besoins, et bien sûr, afin de déterminer le prix psychologique. Donc, on va passer par la suite à l'étude de la concurrence. Donc, l'entreprise est amenée à savoir quels sont ses concurrents les plus importants, quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, et aussi, bien sûr, pour pouvoir déterminer sa position concurrentielle. Cette position concurrentielle, on peut la calculer à partir de la part de marché. Il faut noter qu'on peut parler de marché, de secteur, de profession ou aussi de branche. Donc, cette part de marché, elle est calculée, elle peut être calculée en valeur, en divisant le chiffre d'affaires et, bien sûr, je précise que ce chiffre d'affaires doit être en hors-taxe de l'entreprise divisé par le chiffre d'affaires en hors-taxe du secteur. Ensuite, donc, on peut aussi
calculer la part de marché en volume, c'est-à-dire en quantité, en divisant la quantité vendue par l'entreprise par celle vendue par le secteur. Alors, il faut rappeler aussi que le chiffre d'affaires du secteur, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise auquel on ajoute le chiffre d'affaires des entreprises concurrentes. Donc, aussi, pour la quantité vendue par le secteur, on a la quantité vendue par l'entreprise plus la quantité vendue par les autres concurrents. Donc, on peut aussi calculer le taux d'évolution du chiffre d'affaires de l'entreprise. On a le chiffre d'affaires hors taxe de l'année en cours, moins le chiffre d'affaires hors taxe de l'année précédente, divisé par le chiffre d'affaires hors taxe de l'année précédente. Ce calcul de taux d'évolution, on peut le comparer par rapport au taux d'évolution du secteur. Ça va nous expliquer comment la part de marché a évolué au cours de l'année. Par exemple, si le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté à un rythme plus accéléré que celui du secteur, on va remarquer que la part de marché de l'entreprise va augmenter. Par contre, si le chiffre d'affaires de l'entreprise augmente à un rythme moins accéléré que celui du secteur, la part de marché de l'entreprise va diminuer. Aussi, si le chiffre d'affaires de l'entreprise diminue à un rythme moins accéléré que celui du secteur, on aura une part de marché en augmentation. Et enfin, si le chiffre d'affaires de l'entreprise diminue à un rythme plus accéléré que celui du secteur, on va remarquer que la part de marché de l'entreprise va diminuer. Donc, pour pouvoir expliquer tout ça, on va essayer de traiter une activité. Donc, l'entreprise L'Hirondelle est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'un modèle de sèche-cheveux électrique, modèle C. Elle connaît les dernières années une concurrence rude et désire y faire face en améliorant sa politique commerciale. Les ventes annuelles de l'entreprise L'Hirondelle et celles des concurrents sont résumées dans le tableau suivant. Donc là, vous avez pour les deux années 2018 et 2019, vous avez les ventes en quantité, les ventes en valeur, c'est-à-dire le chiffre d'affaires. De l'autre côté, on a les ventes en quantité et en valeur pour les concurrents, ainsi que les ventes en quantité et en valeur pour l'année suivante. Donc, la première question, on va essayer de déterminer le prix de vente unitaire pratiqué par l'entreprise ainsi que celui pratiqué par les concurrents. Ensuite, on va calculer le taux d'évolution du chiffre d'affaires de l'entreprise ainsi que celui du concurrent. En troisième question, on va essayer de calculer et commenter les indicateurs de l'annexe qu'on va voir par la suite. Et on va voir comment expliquer la différence entre la part de marché en volume et en valeur. Et enfin, on va essayer de donner des conseils à l'entreprise afin d'augmenter sa part de marché. Alors, on va commencer par la première question, c'est-à-dire déterminer le prix de vente unitaire pratiqué par l'entreprise ainsi que le prix de vente moyen pratiqué par les concurrents. Donc, on va rappeler que le chiffre d'affaires est égal à la quantité vendue par l'entreprise. Quantité vendue en général fois le prix de vente unitaire. C'est-à-dire, si on veut déterminer le prix de vente, il suffit de diviser le chiffre d'affaires par la quantité vendue. Donc, on va revenir aux données qu'on a. Donc là, pour calculer le prix de vente de l'entreprise, donc on a le chiffre d'affaires de l'année 2018, on a la quantité vendue pour l'année 2018, donc il suffit de diviser le chiffre d'affaires de l'année 2018 par la quantité de l'année 2018, ce qui va donner un prix de vente unitaire de 55 dinars. De la même manière, on va calculer pour l'année 2019, donc on a 2 310 000 sur 42 000, ce qui va donner un prix de vente égal à 55 dinars aussi pour l'année 2019. Donc, pour le prix de vente moyen pratiqué par les concurrents, de la même manière, donc on va diviser le chiffre d'affaires
des concurrents en 2018 par la quantité vendue en 2018. Donc ce qui va donner un prix de vente de 50 dinars en 2018. De la même manière, on va calculer le prix de vente en 2019 qui va donner 50 dinars. Donc, on va essayer de commenter. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le prix de vente de l'entreprise est supérieur à celui des concurrents, et ce, pour les deux années. On passe à la question 2. Donc, on va essayer de calculer le taux d'évolution du chiffre d'affaires de l'entreprise ainsi que celui des concurrents. Donc, le taux d'évolution du chiffre d'affaires de l'entreprise en 2019 par rapport à 2018. Donc, on le calcule comme on l'a vu tout à l'heure. C'est le chiffre d'affaires de l'année en cours moins le chiffre d'affaires de l'année précédente divisé par le chiffre d'affaires de l'année précédente. Là, vous avez les données. Donc, on a le chiffre d'affaires de l'année 2019, donc c'est 2 310 000, moins le chiffre d'affaires de l'année 2018, c'est-à-dire 1 650 000, le tout divisé par le chiffre d'affaires de l'année 2018, 1 650 000, ce qui va donner un taux d'évolution de 40%. De la même manière, on va calculer le taux d'évolution du chiffre d'affaires des concurrents en 2019. Donc, les mêmes données pour les concurrents. Donc, on va faire 5 063 600, qui est le chiffre d'affaires de l'année 2019, moins 3 500 000 chiffre d'affaires de 2018, divisé par le chiffre d'affaires de 2018, c'est-à-dire 3 500 000, ce qui va donner un taux d'évolution de 44,67%. Donc là, on remarque que le chiffre d'affaires des concurrents a augmenté à un rythme plus accéléré que celui de l'entreprise. Donc, on va passer au calcul de la part de marché. Donc, pour calculer la part de marché, que ce soit en quantité ou en valeur, on a besoin des quantités vendues par l'entreprise et, bien sûr, des quantités vendues par les concurrents. Donc, je rappelle que la quantité vendue par le secteur est égale à la quantité vendue par l'entreprise, à laquelle on ajoute la quantité vendue par les concurrents. Donc, pour pouvoir calculer cette part de marché en quantité, il suffit de diviser la quantité vendue en 2018 par l'entreprise, 30 000, par la quantité vendue par l'entreprise plus la quantité vendue par les concurrents, c'est-à-dire la quantité vendue par le secteur. Ce qui va donner un taux, une part de marché plutôt de 30%. Alors, de la même manière, on va faire la part de marché en quantité pour l'année 2019, donc 42 000 divisé par 42 000 plus 101 272, ce qui va donner une part de marché de 29,31%. Donc là, on remarque que la part de marché a légèrement baissé. Donc, de la même manière, on va essayer de calculer la part de marché en valeur, c'est-à-dire on va utiliser le chiffre d'affaires dans l'entreprise. Donc, on va appliquer la même formule. Donc, on a chiffre d'affaires de l'entreprise qu'on divise par le chiffre d'affaires de l'entreprise plus le chiffre d'affaires des concurrents. Donc là, vous avez chiffre d'affaires du secteur est égal au chiffre d'affaires de l'entreprise plus chiffre d'affaires des concurrents. Donc ce qui va donner 1 650 000 divisé par 1 650 000 plus 3 500 000. Ce qui va donner une part de marché de 32,04%. De la même manière, on va calculer la part de marché en 2019 qui va donner une valeur de 31,33%. Donc ici aussi, on a une baisse de la part de marché. Alors, on va essayer de commenter tout ça. Donc, on a remarqué que la part de marché a baissé, que ce soit en quantité ou en valeur, donc malgré l'augmentation du chiffre d'affaires de l'entreprise de 40%. Comment peut-on expliquer ça? C'est que, comme vous avez vu tout à l'heure, que le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté à un rythme moins accéléré que celui de l'entreprise a augmenté à un rythme moins accéléré que celui du secteur. Donc là, on a une autre question. Par quoi peut-on expliquer la différence entre la part de marché calculée en valeur et celle calculée en quantité? Tout à l'heure, lorsqu'on a calculé les deux parts de marché, on a trouvé qu'elles sont différentes. Donc, on rappelle que le prix de vente de l'entreprise était de
55 dinars, alors que celui des concurrents est de 50 dinars. Donc, on peut expliquer ça par la différence qui existe entre ces deux prix de vente. Et c'est ce qu'on appelle, bien sûr, l'effet prix. Alors, on passe à la question 5. Que doit faire l'entreprise pour confronter la concurrence et augmenter sa part de marché? On va essayer de proposer des solutions. Donc, l'entreprise pourrait s'aligner au prix de vente moyen des concurrents, identifier ses concurrents ainsi que leur stratégie, essayer de découvrir leurs objectifs, d'évaluer leurs forces et faiblesses. Et ensuite, on peut aussi déterminer sa position concurrentielle par le calcul de la part de marché et d'adopter une politique commerciale appropriée. Alors, on va essayer de traiter une autre activité afin de consolider encore plus vos connaissances. Donc, cette activité est tirée du bac 2018, session principale. Donc, on va essayer d'analyser l'évolution du chiffre d'affaires de l'entreprise ainsi que sa rentabilité. Donc, le gérant de la société Tunisie Aluminium s'interroge sur l'évolution des performances de l'entreprise au regard des deux objectifs fondamentaux, croissance et rentabilité. Vous êtes chargé d'analyser la situation. Donc, le travail à faire, c'est calculer les indicateurs donnés en annexe. En vous basant sur les résultats de l'annexe, on va essayer d'analyser l'évolution du chiffre d'affaires et celle de la part de marché de la société. On va essayer d'analyser l'évolution du résultat d'exploitation et du taux de rentabilité. Et enfin, on va essayer d'expliquer la cause de, ou plutôt les causes de ces variations. Alors, d'abord, le premier annexe, donc là, on a le chiffre d'affaires du secteur. Donc, on a le chiffre d'affaires en 2018 et on a le chiffre d'affaires en 2019. Et on va essayer de calculer une variation, que ce soit en pourcentage ou en nombre de points. Donc, comme d'habitude, pour calculer la variation, donc, il suffit de faire chiffre d'affaires du secteur en 2019 moins chiffre d'affaires du secteur en 2018 divisé par le chiffre d'affaires de l'année 2018, ce qui va donner une évolution de 10%. De la même manière, on va essayer de calculer le taux d'évolution ou le taux de variation du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, on va faire 1 200 000 moins 1 million divisé par 1 million. Donc, 1 200 000 moins 1 million divisé par 1 million, ce qui va donner une augmentation de 20%. De la même manière, on va essayer de calculer le taux de variation du résultat. Donc, on va faire 108 000 2019 moins 100 000 la valeur de 2018 divisé par la valeur de 2018, ce qui va donner une augmentation de 8%. Pour la part de marché, comme d'habitude, on va diviser le chiffre d'affaires de l'entreprise par celui du secteur, ce qui va donner une part de marché de 10% en 2018. Et bien sûr, pour 2019, 1 200 000 divisé par 11 millions, ce qui va donner une part de marché de 10,91%. Donc là, on a des pourcentages. Donc pour calculer une variation, il suffit de faire la différence. Et là, on parle en nombre de points et non en pourcentage. Donc on va faire 10,91 moins 10, ce qui va donner 0,910 points. Donc, pour le taux de rentabilité, donc on a le résultat qu'on divise par le chiffre d'affaires. Donc, 100 000 divisé par 1 million, ce qui va donner un taux de rentabilité de 10% pour 2018. Et là, on va faire 108 000 divisé par 1 200 000, ce qui va donner un taux de rentabilité de 9%. Ici aussi, on a des pourcentages, donc on fait la différence en nombre de points. Donc, on va faire 9 moins 10, ce qui va donner une baisse d'un point de pourcentage. Donc, en se basant sur ces résultats de l'annexe, on va essayer d'analyser l'évolution du chiffre d'affaires et celle de la part de marché de la société. Donc, je rappelle que pour le chiffre d'affaires, on remarque une augmentation par rapport à 2018 de 200 000 dinars, ce qui va donner une augmentation en pourcentage de 20%. De la même manière, pour la part de marché, on remarque une légère augmentation de cette part de marché. En nombre de points, ça va donner 0,910 points.
Alors, on va essayer maintenant d'analyser l'évolution du résultat d'exploitation et le taux de rentabilité de la société. Un petit rappel sur ce qu'on a déjà calculé. Donc, pour le résultat, on remarque qu'il y a une légère augmentation de 8%. Par contre, pour le taux de rentabilité, on a une baisse. Donc, le résultat a augmenté de 8%, alors que le taux de rentabilité a baissé de 1 point. Il est passé de 10 à 9%. Alors, comment peut-on expliquer une augmentation du résultat et automatiquement une baisse du taux de rentabilité? On peut imaginer que c'est dû essentiellement à des remises importantes que l'entreprise a pu accorder à ses clients. Donc, on va aussi traiter une autre activité, aussi tirée d'un bac, donc le bac 2015 plutôt, session principale. On va essayer d'analyser le marché de chocolat et la rentabilité des produits de l'entreprise La Délicieuse. Donc, dans le but d'élargir la gamme de produits de la société, La Délicieuse, spécialisée dans la fabrication de chocolat, et pour mieux répondre aux attentes des consommateurs, le service recherche et développement vient de proposer le prototype d'un nouveau produit, crème à tartiner. Le directeur commercial envisage le lancement de ce nouveau produit sur le marché tunisien au début de l'année 2014. Avant le lancement du nouveau produit, M. Ali, gérant de la société, en accord avec le directeur commercial, souhaite analyser la tendance générale du marché de chocolat. Pour préparer ce travail, il vous remet les données nécessaires sur le marché de ces produits, annexe A, et vous charge de les analyser. Les résultats de l'entreprise avec ceux du secteur sont donnés en annexe. Donc là, vous avez les différents segments du marché. Vous avez le chiffre d'affaires de l'année 2013-2014 pour l'entreprise ainsi que pour les concurrents. Et en première question, on va essayer de faire une analyse générale de ce marché. Donc qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque qu'il y a 4 segments dans le marché, confiserie de chocolat, tablette de chocolat, cacao en poudre et crème à tartiner. Là, on remarque que le chiffre d'affaires de l'entreprise pour la confiserie en chocolat est en augmentation. De même pour les concurrents. Pour les tablettes de chocolat, le chiffre d'affaires de l'entreprise aussi est en augmentation, ainsi que celui des concurrents. Pour le cacao en poudre, par contre, il y a une baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise, de même pour les concurrents. Pour la crème à tartiner, on remarque que l'entreprise ne produit pas et ne commercialise pas ce type de produit, alors que pour les concurrents, leur chiffre d'affaires est en augmentation. On remarque donc que ce segment est un segment porteur, si vous voulez. Donc, on va résumer ça dans ce petit paragraphe. Donc, le marché de chocolat est constitué de 4 segments. Les 2 premiers, confiseries chocolat et tablettes de chocolat, connaissent une évolution d'une année à une autre. Par conséquent, le marché est porteur. Alors que pour le troisième, c'est-à-dire cacao en poudre, il subit une diminution. Pour le quatrième segment, crème à tartiner, il est en pleine expansion alors qu'il n'est pas commercialisé par l'entreprise La Délicieuse. Donc, on va essayer de continuer la question suivante. Donc, que pensez-vous de la gamme des produits de la société La Délicieuse et quelles sont vos recommandations pour optimiser sa position concurrentielle? Donc déjà, on remarque que l'entreprise ne commercialise pas la crème à tartiner et on a dit que ce marché, il est porteur. Donc, on peut conseiller l'entreprise de fabriquer et de commercialiser ce type de produit, malgré qu'elle possède déjà 3 gammes de produits, c'est-à-dire 3 segments de ce produit. Donc, bien que la gamme de la société La Délicieuse est diversifiée, il lui manque un segment en pleine expansion, la crème à tartiner, qui constitue une opportunité à ne pas rater. Par conséquent, la société doit élargir la gamme de produits en lançant la fabrication de crème à tartiner. Donc, on va essayer de compléter le tableau des indicateurs de gestion. Donc, on va essayer de calculer la part de marché de l'entreprise en 2014, le taux d'évolution de l'entreprise pour les 3 segments qu'elle possède. Donc, je rappelle que la part de marché, c'est toujours le chiffre d'affaires de l'entreprise divisé par le chiffre d'affaires de l'entreprise avec celui du secteur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire?
on va faire 6 150 000 divisé par 6 150 000 à laquelle on ajoute le chiffre d'affaires des concurrents, c'est-à-dire 43 050 000 dinars. Donc on va obtenir une part de marché de 12,5%. Alors, de la même manière, on va essayer de calculer pour les tablettes de chocolat, donc ça va donner 11,05%. De la même manière pour le cacao en poudre, et bien sûr, on rappelle que l'entreprise ne fabrique pas la crème à tartiner. Pour le taux d'évolution, c'est toujours la valeur de 2014 moins la valeur de 2013 divisée par celle de 2013, donc on aura un taux d'évolution égal à 2,5%. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la part de marché de l'entreprise est restée constante. Comment on explique ça? Parce que le taux d'évolution de l'entreprise est égal à celui du secteur. Alors, de la même manière, on va calculer le taux d'évolution du chiffre d'affaires de la tablette de chocolat. Donc, et on remarque que ici, la part de marché a légèrement baissé. Là, vous comparez le taux d'évolution du secteur et celui plutôt de l'entreprise et celui du secteur. Donc, on remarque que le taux d'évolution est inférieur à celui du secteur, ce qui a influencé négativement la part de marché de l'entreprise. Donc, de la même manière, là, on a une légère augmentation de la part de marché de l'entreprise. Pourquoi? Parce que le chiffre d'affaires de l'entreprise, il a baissé, mais il a baissé à un rythme moins accéléré que celui des concurrents, d'où l'augmentation légère de la part de marché. Pour la crème à tartiner, le marché est en pleine expansion, alors que l'entreprise n'a pas attaqué ce segment, ce qui constitue une opportunité à exploiter. Donc, on va traiter aussi une autre activité tirée du bac 2016 session contrôle. Donc, la société Cosmetica cherche à améliorer son offre pour toucher une clientèle de plus en plus large et ainsi augmenter ses performances. Dans le contexte, M. Ahmed vous demande de faire le point sur l'activité de l'entreprise et d'analyser les différentes données. Vous disposez des informations suivantes. Donc, vous avez le chiffre d'affaires du secteur pendant les 3 années. Vous avez le chiffre d'affaires de l'entreprise pour les 3 années, le taux d'évolution des différents produits de l'entreprise. Donc là, on a 13% par rapport à 2013, 11,25% par rapport à 2014. Pour les ventes de soins de la peau, 13%, 9,3%. Et pour les ventes des colorations, donc on a 12% et 11%. Donc, première question. On va compléter l'annexe suivante afin de déterminer la part de marché et l'évolution du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise Cosmetica ainsi que celui du secteur. Donc, là, on a les différentes données dont on a besoin. Donc, on va diviser le chiffre d'affaires de l'entreprise par celui du secteur en 2013. Donc, on va faire 2 millions divisé par 9 250 000, ce qui va donner une part de marché égale à 21,62%. Pour 2014, 2 250 000 divisé par 10 625 000, donc ce qui va donner une part de marché de 21,18%. Pour 2015, de la même manière, on va trouver une part de marché de 20%. Pour le taux d'évolution, donc on aura pour l'entreprise, donc on aura 2 250 000 moins 2 millions divisé par 2 millions, ce qui va donner un taux d'évolution de 12,5%. De la même manière, pour 2015, donc 2 500 000 moins 2 250 000 divisé par 2 250 000, ce qui va donner un taux d'évolution de 11,11%. De la même manière, on va calculer le taux d'évolution du chiffre d'affaires du secteur, donc on aura 14,86% et pour l'année 2015, on aura 17,65%. Donc, on revient au commentaire de l'évolution du chiffre d'affaires. Donc, on remarque que le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une évolution, une évolution de 12,5% en 2014 et de 11,11% en 2015. Donc, cette évolution est en baisse. Bien qu'elle soit positive, elle reste inférieure au secteur, surtout en 2015.
15, ce qui va expliquer la baisse de la part de marché de la société d'année en année, car elle évolue à un rythme inférieur à celui du secteur. Donc, en prenant appui sur les résultats obtenus, on va aider M. Ahmed à trouver une solution afin d'accroître sa part de marché. Par exemple, il peut faire des promotions, des ventes, baisser les prix afin d'augmenter la quantité vendue, faire améliorer, si vous voulez, sa politique de communication, et on peut aussi attaquer de nouveaux segments sur le marché en lançant de nouveaux produits. Alors, en conclusion, pour être compétitive, l'entreprise recherche un avantage concurrentiel qui lui permet de maintenir, voire d'accroître sa part de marché. Pour cela, elle devra chercher à atteindre ses objectifs, à savoir, par exemple, réduire ses coûts. Par exemple, optimiser les ressources d'exploitation qu'elle possède. Elle peut aussi satisfaire les besoins des consommateurs, ou plutôt, elle doit satisfaire les besoins du consommateur. Garantir une marge minimale, c'est-à-dire un petit bénéfice, bien sûr, pour pouvoir survivre. Améliorer la qualité de ses produits. Elle peut assurer la disponibilité du produit. Le client donc doit pouvoir acheter le produit à l'instant et dans le lieu où il existe. Donc là, on entre dans le choix des canaux de distribution qui va faire la partie suivante. Donc on va traiter l'étude des autres intervenants et on va essayer de se focaliser, bien sûr, sur la politique, plutôt les canaux de distribution. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un canal ? Donc un canal est le chemin parcouru par un produit depuis le producteur jusqu'au consommateur. Il ne faut pas le confondre avec un circuit. Alors c'est quoi un circuit ? Je reviens. Donc c'est quoi un circuit de distribution ? Donc c'est l'ensemble des canaux pour un seul produit. Donc c'est le circuit, l'ensemble des canaux parcourus par un même et seul produit. Donc pour distinguer, ou plutôt pour déterminer la nature du canal, donc on va voir le nombre d'intermédiaires entre le fabricant et le consommateur. Par exemple, si on n'a aucun intermédiaire, donc là on va parler de canal ultra court ou canal direct. Par contre, si on a un seul intermédiaire, c'est-à-dire le détaillant, où on peut parler aussi de revendeur, donc là, on va parler de canal court. Par contre, si l'entreprise vend ses produits aux grossistes, qui les vendent à leur tour aux détaillants, qui les mettent à la disposition du consommateur, là, on va parler de canal lent. Et enfin, si, par exemple, on a un semi-grossiste entre le grossiste et le détaillant, le canal devient un canal ultra long. Alors, on va essayer de voir comment l'entreprise va choisir entre ces différents canaux. Il y a plusieurs méthodes. Nous, on va voir la méthode des scores et des critères. Donc, le tableau suivant présente les moyennes calculées à partir des 8 évaluations fournies par les chefs de produits. Le score d'importance, donc chaque chef de produit donne son jugement pour chaque critère sur une échelle allant de 1, pas important du tout, à 5, très important. Les canaux de distribution A, B, C sont évalués sur chaque critère au moyen d'une échelle allant de 1, très mauvais, à 5, très bon. Donc là, vous avez les différents critères, donc part de marché, réputation, coût de distribution, publicité. Là, les scores de ces critères, si vous voulez, donc on a une note attribuée à chaque critère. Et là, on a l'évaluation des canaux, donc trois canaux, et pour chaque canal, on a l'évaluation par rapport aux critères. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de voir quel est le critère le plus important et pourquoi. On va voir, selon ce critère le plus important, quel est le canal à retenir. Et enfin, on va essayer de calculer les scores de chaque canal afin de choisir le meilleur. Alors, on commence par la première question. Donc, quel est le critère le plus important ? Donc là, vous remarquez,
pour les critères, si on regarde les scores, on remarque que la part de marché représente le critère le plus important puisqu'elle a le score le plus élevé. Donc, le critère le plus important est la part de marché car il a le score le plus élevé. Alors, selon ce critère, c'est-à-dire la part de marché, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, on regarde les évaluations. Là, on a le canal A et le canal C ont la même évaluation. Donc, l'entreprise devra choisir entre le canal A ou le canal C. Donc, pour pouvoir départager entre ces deux canaux, on peut utiliser une autre méthode qui est la méthode des scores. Qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier le score d'importance, si vous voulez, par l'évaluation pour chaque critère et puis on va additionner. Par exemple, pour le canal A, on va faire 4,2 fois 4,8 plus 3,1 fois 3,3 plus 2,1 fois 2,5 plus 3,8 fois 2,9, ce qui va faire un total de 46,66. Pour le canal B, on va faire de la même manière, 4,2 fois 2,9 plus 3,1 fois 4 plus 2,5 fois 2,7 et 3,8 fois 3,8, ce qui va donner un total de 44,69. Et enfin, de la même manière, on va calculer le score du canal C, on va trouver que c'est 51,95. D'après ces scores qu'on a obtenus, on remarque que le canal C représente le score le plus important. Donc, finalement, quelle sera la décision de l'entreprise? Bien sûr, on va choisir le canal C puisqu'il a le score le plus élevé, c'est-à-dire 51,95. Voilà. Donc, on va essayer de synthétiser cette section. Donc, quels sont les objectifs de la part de marché, plutôt de l'étude de marché? Donc, d'abord, on va essayer de connaître l'environnement technologique, économique, institutionnel, socioculturel et bien d'autres. Connaître le consommateur, qui va consommer, qui va acheter, qui va conseiller à acheter tel ou tel produit. Donc, on va voir quels sont ses besoins, quelles sont ses motivations, quelles sont ses perceptions, quel est le prix qu'il va accepter de payer pour acheter ce produit. Ensuite, on va essayer d'étudier la concurrence. Bien sûr, on doit connaître notre position concurrentielle, étudier la concurrence afin de déceler ses forces, ses faiblesses et déterminer l'action commerciale adéquate. Et enfin, dernier point, connaître les autres intervenants, c'est-à-dire par qui passe le produit pour arriver au consommateur final, c'est-à-dire les différents canaux de distribution. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième section qui va porter sur la provocation des ventes. Une fois qu'on a effectué l'étude de marché, on passe à la provocation des ventes. En effet, la provocation des ventes passe par une première étape, c'est-à-dire la segmentation et le ciblage. Qu'est-ce que ça veut dire, segmentation? Donc, la segmentation est le fait de découper le marché en groupe de consommateurs ayant des comportements et des besoins homogènes. Par exemple, hommes, femmes, enfants, adultes, selon la profession. Tout dépend bien sûr du segment qu'on compte étudier. Donc, une fois la segmentation effectuée, on va passer au ciblage. Donc, c'est quoi le ciblage? C'est le fait d'attaquer le segment choisi par une action commerciale. Donc, on va choisir un segment et on va se focaliser sur ce segment afin de déterminer l'action commerciale à entreprendre. Donc, pour segmenter le marché, qu'est-ce qu'on doit faire? On peut avoir plusieurs critères, par exemple les critères démographiques, sexe, homme, femme, âge, moins de 20 ans, plus de 20 ans, moins de 30 ans, plus de 30 ans. On peut avoir aussi des critères économiques, pouvoir d'achat, quelle est la capacité du consommateur à acheter, quel est son niveau de revenu, etc. Donc, on peut aussi se baser sur des critères socio-culturels. Quelle est sa profession?
quelle est son appartenance, quelle est sa religion, etc. Et enfin, donc, on va voir, on peut aussi se baser sur des critères géographiques où se trouve ce consommateur, bien sûr, pour pouvoir voir où je vais vendre mon produit. Donc, Tunis, banlieue, le centre, le sud, le nord de la Tunisie, par exemple. Alors, une fois la segmentation effectuée, on va passer à au ciblage. Donc, c'est quoi une cible? Une cible est donc constituée par l'ensemble des consommateurs potentiels dont l'entreprise souhaite qu'ils deviennent des clients effectifs. Donc, elle veut attirer des clients pour qu'ils deviennent ses clients fidèles. Alors, on va essayer de traiter une activité. Donc, cette activité se trouve dans votre manuel scolaire à la page 161. Donc, Monsieur Ramzi, jeune investisseur, envisage de réaliser un projet qui consiste à fabriquer et à vendre des survêtements. Il est conscient que les Tunisiens n'ont pas le même comportement d'achat. Pour cela, il procède à la segmentation du marché en groupes de consommateurs ayant des comportements homogènes. Hommes, femmes, jeunes, Monsieur Ramzi veut se spécialiser dans un seul type de survêtement, homme ou femme, et de créer un point de vente soit sur Tunis, soit sur la banlieue. L'étude de son marché potentiel permet de collecter les informations suivantes. Donc, il a étudié son marché, il a choisi une population de 1000 personnes qu'il a subdivisée selon les critères suivants. Donc, on a hommes, femmes, moins de 30 ans, plus de 30 ans pour les deux, et on a une répartition géographique selon Tunis et banlieue. Donc, Rami, il a choisi des critères démographiques, qui est l'âge, moins de 30 ans, plus de 30 ans, le sexe, homme et femme. Il a aussi segmenté le marché selon des critères géographiques, donc Tunis et banlieue. Et on va essayer de calculer les pourcentages de ces segments par rapport à la population totale. Donc, si on veut calculer le pourcentage de chaque tranche d'âge dans la population totale, il suffit de diviser la population de la catégorie par la population étudiée totale. Donc, on aura 120 divisé par 1000, ce qui va donner un pourcentage de 12%. C'est-à-dire que les hommes de moins de 30 ans représentent 12% de la population totale. De même, pour les hommes de plus de 30 ans, ils représentent 28% de la population totale. De la même manière, on calcule le pourcentage des femmes de moins de 30 ans dans la population totale, ça va donner 24%. Aussi, 36% pour les femmes de plus de 30 ans par rapport à la population totale. On peut aussi, donc ce qui va donner un total, bien sûr, de 100%. On peut aussi calculer les pourcentages par rapport à la région. Donc, on aura 236 000 par rapport à 1000, donc ce qui va donner 23,6%. Donc, si vous voulez, on a 23,6% de la population étudiée qui habite Tunis. Ici, on a 760 cas divisé par 1000, donc 76,4%, c'est-à-dire que 76,4% de la population étudiée habite la banlieue de Tunis, et bien sûr, ça va donner un total de 100%. Donc, on rappelle que Rami cherche à se spécialiser dans un seul segment, soit homme, femme, et bien sûr, dans une seule région, Tunis ou banlieue. Donc, si on veut aider M. Rami à choisir le segment, donc on regarde les pourcentages, on remarque que le pourcentage des femmes, bien sûr, qui habitent la banlieue, représente le pourcentage le plus élevé, ou si vous voulez, le nombre de population le plus élevé. Donc, les femmes âgées de plus de 30 ans et habitant la banlieue de Tunis représentent le pourcentage le plus élevé. Ce segment peut constituer une cible pour l'entreprise, mais bien sûr, l'entreprise doit toujours approfondir son étude sur d'autres critères. Qui nous dit que cette population est prête à acheter
si vous voulez, ce survêtement, donc on doit essayer de voir d'autres critères tels que critères économiques, s'ils ont les moyens, les critères sociaux, si vous voulez. Tout dépend, bien sûr, si elle s'habille en survêtement, oui ou non, par exemple. Donc, une fois la segmentation effectuée, le ciblage effectué, l'entreprise passe à l'étape suivante, c'est-à-dire déterminer sa politique commerciale qui est représentée par ces quatre politiques, c'est-à-dire les quatre P. Donc, c'est ce qu'on appelle le marketing mix. Donc, les quatre P, c'est-à-dire produit, si vous voulez en anglais, product. Là, vous avez la politique de communication, donc promotion. Là, vous avez la politique prix, price. Et là, la politique de distribution, place, d'où la nomination des quatre P, c'est-à-dire P, P, P et P. Donc, pour, bien sûr, étudier, ou si vous voulez, choisir le marketing mix adéquat, l'entreprise va se baser sur ces quatre P, la politique produit, la politique prix, la politique de distribution et la politique de communication. Donc, pour la politique prix, l'entreprise doit fixer d'avance ses tarifs, ses remises, les conditions de paiement, les conditions de crédit, les stratégies tarifaires, quelle politique elle va choisir, une politique d'écrémage, fixer un prix supérieur à celui des concurrents, une politique de pénétration, fixer un prix inférieur à celui des concurrents, ou une politique d'alignement, fixer un prix proche de celui des concurrents. Ensuite, elle doit étudier sa politique produit, c'est-à-dire quel produit, quel est le concept qu'elle va utiliser, les caractéristiques du produit, la qualité du produit, la gamme si elle veut bien sûr diversifier pour ce produit, la marque qu'elle va utiliser, le design, l'emballage, etc., le conditionnement, le cycle de vie, dans quelle phase se trouve le produit, les conseils d'utilisation, le service après-vente, les garanties, etc. Ensuite, elle doit étudier aussi sa politique de communication. Quels moyens de communication va-t-elle utiliser? Est-ce qu'elle va utiliser la communication média, telle que l'affichage, vidéo, presse, etc. ou une politique de communication hors média, telle que le sponsoring, les relations publiques, les promotions de vente, etc. Et enfin, elle va aussi étudier sa politique de distribution, comment elle va vendre son produit, quel canal elle va choisir ou quel circuit elle va choisir, où elle va vendre, quels sont les points de vente où elle va distribuer son produit, etc. Donc, nous, on va commencer par la première politique, c'est-à-dire la politique produit. Donc, je rappelle que la politique produit va porter sur les concepts, les caractéristiques, la qualité, la marque, etc. Et parmi, bien sûr, les études qu'elle doit faire, l'entreprise doit étudier le cycle de vie du produit. Donc, le cycle de vie du produit, pourquoi on étudie le cycle de vie du produit? C'est afin de voir dans quelle phase se trouve notre produit, afin de déterminer l'action commerciale à entreprendre, qu'est-ce qu'elle doit faire, comment elle va gérer cette phase. Donc, sur un schéma, là, vous avez le temps. De l'autre côté, vous avez les ventes. Donc, on voit que le produit passe par plusieurs phases. Donc, la première phase, bien sûr, c'est la phase de développement et de recherche. Donc, elle fait des recherches pour la conception du produit. Et bien sûr, par la suite, on va lancer notre produit. Par la suite, le produit passe par une phase de croissance, une phase de maturité et une phase de déclin. Il faut rappeler aussi que le produit ne passe pas automatiquement par les quatre phases. Il peut, à partir de la phase de lancement, passer à la phase de déclin. Ça ne réussit pas. Ou bien sûr, on peut trouver des produits qui sont toujours dans la phase de maturité. C'est l'exemple de Coca-Cola, par exemple, qui est toujours en phase de maturité. Alors, on va voir par la suite les caractéristiques de chaque phase du cycle de vie du produit. Donc, dans la phase de lancement, le niveau de vente est faible, le coût de production est élevé dû aux recherches et développement et dû aussi, bien sûr, à la quantité non suffisante pour minimiser ce coût et réaliser une économie d'échelle. Le profit
est généralement négatif. La clientèle est, bien sûr, hésitante, donc ils ne vont pas se lancer directement dans l'achat du produit et la concurrence est pratiquement non existante. Donc, dans la phase de croissance, le niveau de vente est en progression, le coût de production commence à baisser, le profit commence à augmenter, la clientèle essaye d'adopter le produit et enfin, la concurrence commence à augmenter puisqu'ils ont découvert que l'entreprise a lancé un nouveau produit, donc ils vont essayer de la concurrencer. En phase de maturité, qui représente la meilleure phase pour le produit, le niveau de vente est à son plus haut niveau, si vous voulez, car le marché est saturé. Le coût de production est le plus faible possible, donc on a réalisé notre économie d'échelle. Le profit est élevé. La clientèle, bien sûr, c'est un marché de masse. Chacun a ses propres clients, donc la clientèle, si vous voulez, est fidèle. Et bien sûr, la concurrence est stable et bien sûr, disparition des plus faibles, ceux qui ont un produit qui n'est pas compétitif, donc ils vont disparaître. Enfin, en phase de déclin, le niveau de vente est en baisse, bien sûr, car le produit devient dépassé, si vous voulez. Donc, le coût de production est en baisse, le profit est aussi en baisse. La clientèle, bon, si ils ont essayé le produit en retard, donc ce sont des clients retardataires. Et enfin, les concurrents sont de moins en moins nombreux. Chaque phase, bien sûr, va nous amener à déterminer une stratégie à adopter. Donc, on va parler des 4 P, si vous voulez, dans chaque phase. Donc, dans la phase de lancement, le produit, c'est un produit de base, donc il n'est pas encore perfectionné, il présente des imperfections. Le prix, tout dépend de la stratégie de l'entreprise, si elle veut fixer un prix supérieur pour montrer que son produit est de bonne qualité ou fixer un prix inférieur à celui des concurrents pour attirer des clients, donc soit une politique d'écrémage, soit une politique de pénétration. La distribution, donc, puisqu'on va essayer, on va tester le produit, donc elle sera sélective, elle ne va pas être de masse. Et enfin, la communication va porter sur le produit, on va essayer de montrer que notre produit est bon, et non sur la marque. Donc, et on va essayer de faire des actions de promotion, baisser le prix, vendre deux au prix d'un, etc. Donc, en phase de croissance, on va essayer de diversifier le produit, on va essayer d'améliorer la qualité du produit. Le prix, en général, il est de pénétration, donc pour attirer plus de clients. La distribution commence à être intensive, donc on va essayer d'avoir une distribution plus large. Et bien sûr, on va essayer de se concentrer sur la notoriété de l'entreprise et faire moins de promotion. Donc, dans la phase de maturité, on va essayer de diversifier la marque et les modèles. On va essayer de fixer un prix concurrentiel, bien sûr, pour fidéliser et garder notre clientèle. On va avoir une distribution de masse, donc notre produit doit se trouver partout sur le marché. Et pour la politique de communication, donc on va essayer de se focaliser sur la marque. Par exemple, comme le cas de Coca-Cola qui fait des publicités pour fidéliser ses clients. Donc elle, bien sûr, accentue ses publicités surtout sur sa marque. Enfin, en phase de déclin, soit on retire le produit du marché, soit on le laisse, si vous voulez, dans les endroits où il est encore vendu. Donc, le prix sera réduit, bien sûr, on va faire des actions, si vous voulez, de promotion. Donc, la distribution sera sélective seulement dans les endroits où il est encore demandé et vendu. Et enfin, on va réduire, bien sûr, les actions de communication le plus possible. Alors, on va essayer de traiter une activité inspirée du bac 2008, donc l'entreprise Lina, qui fabrique et commercialise une marque de lessive de consommation courante, vous communique les statistiques des ventes réalisées depuis l'année 2015. Donc, on vous donne le chiffre d'affaires de l'entreprise depuis 2015 jusqu'à 2019. Donc, première question, on va essayer de tracer la courbe d'évolution des ventes. Et on va essayer de situer le produit dans son cycle de vie, de voir quelles sont les caractéristiques de cette phase et quelles sont les actions à entreprendre.
Et enfin, calculer le taux d'accroissement des ventes en 2019 par rapport à 2018. Donc, pour tracer la courbe, sur l'axe des abscisses, on va mettre le temps, si vous voulez, les années. De l'autre côté, on va mettre le chiffre d'affaires. Donc, pour 2015, on met le chiffre d'affaires de la même manière et puis on relie les points par une courbe. Donc, on va obtenir quoi? On va obtenir un chiffre d'affaires qui augmente d'une année à une autre. Donc, si on veut situer le produit dans son cycle de vie, on remarque que le chiffre d'affaires est en augmentation. Donc, automatiquement, on peut dire que notre produit est en phase de croissance. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette phase? Comme on l'a déjà mentionné tout à l'heure, donc le produit commence à être connu de plus en plus et son marché s'élargit. Le coût unitaire va baisser grâce à l'économie d'échelle. Enfin, de nouveaux concurrents vont apparaître sur le marché. Pour les actions à entreprendre, on peut faire de la publicité, on peut améliorer le produit, on peut faire une distribution plus élargie. On va essayer de calculer le taux d'accroissement des ventes en 2019 par rapport à 2018. Donc là, on a le chiffre d'affaires de 2019, le chiffre d'affaires de 2018. Donc on rappelle que le taux d'évolution ou d'accroissement, donc on aura chiffre d'affaires de 2019 moins chiffre d'affaires de 2018 divisé par chiffre d'affaires de 2018, ce qui va donner un taux d'évolution de 11,11%. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 11,11% par rapport à 2018. Voilà, notre cours est à présent terminé. J'espère que vous en avez tiré profit. La séance prochaine, on va essayer de traiter, on va poursuivre le traitement de la section 2 sur la provocation de vente. Continuez à travailler, ne lâchez pas, persévérez. Et vous aurez sûrement des résultats positifs. Au revoir et à la prochaine séance.